Donc on va reprendre avec donc Anthony Ferreira, qui donc a suivi un cursus en biologie et en psychopathologie, ce qui t'a conduit à une thèse en neurosciences sur l'addiction, et tu poursuis cette réflexion sur l'addiction à l'occasion d'un doctorat en philosophie, du coup. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'individu comme addict et comme personne. Du point de vue, en fait, de quel niveau de rapport à l'addict, entre guillemets, on a en fonction du regard qu'on porte dans le modèle biologique de l'addiction qui mène à un modèle maladie et dans les critiques de ce modèle maladie qui demandent une approche plus existentielle, entre guillemets, pour des raisons d'une supposée déshumanisation contenue dans le modèle biologique. Donc l'idée, ça va être de montrer que le modèle bio... Pardon. Que le modèle biologique, en fait, effectivement, s'intéresse à ce que j'appellerais l'individu, c'est-à-dire une notion d'individu, mais que l'addiction ne se définit qu'au niveau de la personne et qu'une partie du conflit tient de là et tient à deux images de l'homme qui sont complètement différentes, mais qui ne sont pas explicites. D'où la difficulté de résoudre ce conflit qui dure depuis des années et qui n'est pas résolu. Pardon. Ah, c'est mieux comme ça? Ah, moi je l'entends dans le retour. Ou je parle peut-être pas assez fort aussi, je peux peut-être essayer comme ça. Oui, il faut. Ça marche? Bon. Donc, l'addiction. Si on va voir sur le site de l'INSERM, à destination du grand public, qui est donc un résumé et une vulgarisation des recherches scientifiques sur l'addiction, on y lit que les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Donc, pathologie et cérébrale, c'est-à-dire l'addiction comme maladie du cerveau est clairement énoncée par le site de l'INSERM. L'installation d'une addiction va impliquer trois mécanismes: une augmentation de la motivation à consommer la drogue, recherche de plaisir, un état émotionnel négatif, recherche d'un soulagement, et une diminution de la capacité à se contrôler, donc une perte de contrôle de la consommation, qui est un des points de la pomme de Discorde. L'addict ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, il y a une perte de liberté vis-à-vis du produit, vis-à-vis de sa pratique, parce que l'INSERM inclut donc des activités, ce qu'on appellera les dépendances comportementales. Donc pour l'INSERM, sur le site toujours, l'addiction démarre essentiellement avec le plaisir généré par la substance addictive. Cette sensation est due à des modifications électrochimiques s'opérant dans le cerveau en réponse à la consommation de la substance. Et on observe en particulier la libération de dopamine, la molécule du plaisir. C'est l'INSERM qui cite ça, et ça c'est très discuté justement sur la qu'est-ce que c'est que la dopamine, en tout cas est-ce qu'on peut associer le mot plaisir à une molécule? Et de la récompense dans le noyau accumbens, donc dans une structure qui a été évoquée dans le talk qui a ouvert hier la journée. L'augmentation de la concentration de dopamine résulte de modifications au niveau des transmissions synaptiques dans différentes aires cérébrales, la substance consommée pouvant interférer avec des neurotransmetteurs ou leurs récepteurs. Sous-entendu, on consomme une substance ou on a une activité, ça entraîne des modifications cérébrales impliquant la dopamine, et l'addiction est le résultat de ça. C'est-à-dire que l'addiction, c'est une perturbation cérébrale, c'est une maladie. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est l'INSERM, donc un site de recherche médicale, mais néanmoins, à l'intérieur du texte à destination du grand public, on a des mots comme plaisir, on a des mots comme compulsion, etc., qui sont des mots qui sont en dehors, entre guillemets, du champ de la recherche neurobiologique. Alors, d'où vient ce texte? En fait, aujourd'hui, le modèle qui fait, alors je ne vais pas dire consensus parce qu'effectivement il y a un conflit, mais en tout cas le modèle dominant s'appelle le BDMA pour le Brain Disease Model of Addiction, c'est-à-dire un modèle de l'addiction comme maladie du cerveau. C'est un modèle qui définit l'addiction à la drogue ou la dépendance à une substance comme une maladie chronique récidivante et qui se caractérise par la recherche et la prise de drogue compulsive, la perte de contrôle, toujours, l'impossibilité de limiter sa consommation et l'émergence d'un état émotionnel négatif, dysphorie, anxiété, irritabilité, quand on n'a pas l'accès à la drogue ou quand l'accès à la drogue est impossible. Alors, d'où vient ce modèle rapidement?
Ce modèle vient de recherches fondamentales en biologie. Il est assez ancien, alors pas à l'échelle de l'histoire, mais assez ancien à l'échelle de l'évolution rapide des neurosciences et notamment de la neurobiologie. Il a commencé par un modèle de dépendance. Alors il y a un grand conflit, notamment au sein du DSM, pour savoir si on doit parler de dépendance ou d'addiction. Je n'entrerai pas dans le débat, mais au départ, on est parti sur la dépendance. Alors ça date des années 40. Et ces théories étaient basées sur un dénominateur commun des drogues dépressiogènes. C'est-à-dire, c'est un modèle qui fonctionnait sur les drogues type morphine, alcool, qui ne sont pas des drogues excitatrices, qui sont plutôt des drogues dépressiogènes. Or, les barbituriques, l'alcool, etc., provoquent des symptômes de sevrage. C'est-à-dire, quand on arrête de les prendre, effectivement, les animaux ou nous-mêmes, on ressent ces états de dysphorie et il y a des manifestations physiques du manque. Donc la dépendance s'est constituée sur ces manifestations physiques du manque dans des modèles animaux. La supposition commune a donc été que les drogues qu'on appelait compulsives, enfin l'auto-administration compulsive en tout cas de ces drogues, se voyait chez les animaux parce qu'ils cherchaient à éviter les effets négatifs d'un sevrage provoqué par ces substances-là. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé les théories de la dépendance, qui sont des théories très pharmacologiques et très axées sur des recherches animales et très axées sur ces drogues-là en particulier, c'est-à-dire les drogues dépressiogènes. Alors, on est passé de la dépendance à l'addiction parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, et notamment il y a un article assez célèbre de Deneau qui date de 1968, que certaines drogues, autres que les drogues dépressiogènes, pouvaient être préférées par les animaux en dehors de tout symptôme de sevrage. Et pas pour, donc pas pour échapper à des effets négatifs, mais simplement parce qu'il semblerait, et là les mots sont à mettre entre guillemets, parce que là encore on sort du domaine de la neurobiologie, que les animaux pourraient les vouloir, ou en tout cas les aimer. Ces drogues-là sont plutôt les drogues stimulantes, type cocaïne, amphétamine, même si l'amphétamine, en termes de désir d'amphétamine, c'est un peu compliqué parce que c'est très anxiogène, l'amphétamine, et les animaux n'aiment pas trop s'auto-consommer de l'amphétamine. Mais néanmoins, on avait face à la dépendance, qui est la recherche de l'échappement à une douleur, d'un seul coup, une situation dans laquelle les animaux pouvaient consommer volontairement, comme s'ils le voulaient, comme s'ils aimaient ça, sans symptômes de sevrage, ou en tout cas sans vouloir échapper à d'éventuels symptômes de sevrage, qui ne sont pas toujours présents d'ailleurs avec ces drogues-là. Donc on a décrit un phénomène qu'on a appelé la dépendance psychique, et la dépendance psychique a été définie comme l'initiation volontaire et la maintenance de l'auto-administration de ces drogues-là. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas de raison, a priori, de les consommer, si ce n'est qu'ils aiment ça. Donc on a dit que les animaux veulent ou aimaient consommer ces drogues. De nombreuses substances en fait, ont été montrées, on a montré que ça suivait les lois du renforcement qui avaient été édictées, qui avaient été démontrées avec des récompenses qui sont des récompenses naturelles comme l'eau, enfin la boisson, enfin l'eau, pas la boisson en général, mais l'eau et la nourriture. Et que donc on a dit que ces substances-là pouvaient être des renforçateurs positifs ou positive reinforcers. Donc c'est lié avec la théorie du renforcement qui s'appuie sur la théorie de la motivation. La motivation est un processus par lequel les animaux s'adaptent au changement. Ça leur donne une motivation pour changer leur comportement. Changement interne, homéostatique, ou externe, pour réduire quand ils sont attirés par quelque chose ou pour réduire leur stress, ou etc., etc. Donc ça a donné lieu à ce qu'on a appelé les comportements motivés. Les animaux ont des comportements motivés par quelque chose. Et ces comportements motivés sont plus ou moins adaptatifs, plus ou moins flexibles. Ça va de la simple activité locomotrice, qui permettait de les détecter, en tout cas de les qualifier, à des explorations beaucoup plus complexes, et la consommation, des comportements de consommation, qui sont eux plutôt stéréotypés. Tout ça, en fait, part de recherches sur l'animal. C'est-à-dire qu'on a fait le collage entre ce qu'on voyait chez l'homme, on a fait des modèles animaux de ça. Ensuite, il y a eu tout un travail, donc on en parlait avec notamment les travaux de Schulz, etc., où on arrive à l'idée qu'éventuellement la dopamine, le système, en fait, serve à prédire ou à corriger les erreurs d'appréciation de la future récompense qui pourrait arriver. Donc, on a sorti de tout ça des renforçateurs positifs et des renforçateurs négatifs, certains renforçateurs étant attirants par eux-mêmes et certains renforçateurs étant attirants, parce que quand on les a pas, on se sent mal. Donc,
tout ça part, cette idée de renforcement part d'expériences, en fait, qui sont des expériences très artisanales quand on les regarde aujourd'hui, qui sont des expériences des années 50 de Holds et Milner, dans un papier notamment de 1954, où en fait, ça consiste à implanter des cerveaux de rats et leur permettre de s'auto-stimuler en appuyant sur un bouton qui envoie des décharges électriques. Et en implantant les cerveaux de rats plus ou moins à l'aveugle, on se rend compte que certains animaux s'auto-stimulent et d'autres ne le font pas. Donc ils sont allés regarder où les électrodes étaient positionnées dans le cerveau chez les animaux qui s'auto-stimulaient jusqu'à même en mourir, arrêter de manger et de boire et se stimuler de façon continue. Et ils ont détecté une petite zone comme ça dans le cerveau et on les a mis en rapport avec les renforçateurs positifs. En disant voilà, on a une théorie du renforcement, les animaux sont capables d'aller se stimuler quand l'électrode elle est positionnée à cet endroit-là dans le cerveau. Alors c'est très étonnant, il y a des coupes, des slides, je pourrais vous les montrer à l'occasion, où ils ont évidemment coupé les cerveaux de rats puis essayé de voir où était posée l'électrode. Alors pour qui a déjà fait ça, en fait c'est vraiment très artisanal, c'est très difficile de voir avec précision où l'électrode est arrivée, mais néanmoins ils ont réussi à déterminer certains sites, et ces sites ont été ensuite montrés posséder certaines caractéristiques et notamment certains neurotransmetteurs particuliers comme la dopamine. Donc on a identifié un réseau cérébral qui a la particularité d'avoir de la dopamine et qui serait impliqué dans ces renforcements. Renforcements qu'on a collés avec des comportements humains qui sont les comportements de prise de drogue, de dépendance, d'addiction, etc. Mais tout ça sont des manipulations qui sont faites chez l'animal à des niveaux très bas, où l'idée c'est de prendre des animaux, et chaque animal, si l'expérience est bien faite normalement, doit réagir exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, là. À aucun moment l'animal peut décider de ne pas réagir ou de ne pas réagir. Les animaux sont pris comme des individus, c'est-à-dire des occurrences individuelles d'un type donné qui serait commun à tous ces animaux-là, et quand on fait exactement la même chose, ces animaux réagissent exactement de la même manière. Donc ça a donné lieu ensuite à un développement qui a amené dans les années 80 à montrer que chez l'homme aussi, les drogues utilisées, donc ce qu'on appelle les drogues d'abus qui étaient utilisées dans la rue, entre guillemets, par les humains, étaient capables de stimuler ces circuits dopaminergiques chez l'homme. Donc c'est un papier de Dicara et Imperato qui date de 1988, où ils ont identifié la sécrétion de dopamine suite à l'usage de ces drogues-là. Et donc on a lié ce circuit de la récompense à la consommation des drogues d'abus. Donc tout ça, cette histoire qui passe de la récompense à l'addiction, s'est faite en partant d'un substrat neuronal qui était déjà impliqué dans le renforcement et connu depuis les années 50, qui comprend un panel de cellules dopaminergiques, un neurotransmetteur qu'on connaissait depuis les années 50, que les drogues, comme les drogues stimulantes notamment, étaient capables de générer la sécrétion, augmenter en tout cas l'auto-stimulation électrique de ces neurones-là et faisait cracher de la dopamine par ces neurones-là, et que quand on bloquait ces récepteurs dopaminergiques-là, on bloquait l'effet réenforçant du stimulant. Donc ce sont vraiment des manipulations. En fait, à des niveaux, oui, je dirais vraiment très artisanal. C'est-à-dire que les neurosciences à cette époque-là sont vraiment des histoires de cuisine, quoi. On met des électrodes, on a des protocoles qui sont techniquement très compliqués à mettre en œuvre, mais en fait fondamentalement assez simples, avec beaucoup d'inventivité, pour calquer ces résultats-là sur des animaux pris de façon individuelle, sur des comportements humains qui sont le comportement aujourd'hui qu'on appelle addiction. Après l'avoir appelé dépendance, avant appelé addiction, le mot a constamment changé, mais grosso modo, disons que c'est la même chose, c'est le fait que des gens consomment des substances ou ont des activités et que ça a l'air d'échapper à leur contrôle. Donc l'idée fondamentale, c'est que toutes les drogues, avec des guillemets, maintenant on rajoute certains comportements, partagent les mêmes mécanismes fondamentaux, sous-jacents, qui conduisent à l'addiction. Et la dopamine en est l'effecteur central. Donc il y a eu évidemment plusieurs théories différentes de l'addiction à ce moment-là. Il y a des théories qui lient la stimulation psychomotrice, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça a posé la question ensuite de comment est-ce qu'on allait définir l'addiction. Est-ce qu'il va falloir définir l'addiction à partir du syndrome de dépendance, c'est-à-dire le sevrage? Est-ce qu'il faut définir l'addiction par le renforcement positif qui pourrait amener à aller
de façon compulsive rechercher la drogue, ce qui a conduit à la notion de craving qui est très remise en cause aujourd'hui, c'est-à-dire cette recherche compulsive de drogue à laquelle on ne peut pas échapper, l'activation locomotrice, etc., etc. Donc en fait, on a eu différentes interprétations, on a eu différents modèles, et ces différentes interprétations et ces différents modèles, on les trouve de façon quasi synthétique aujourd'hui dans ce modèle dont je vous ai parlé avant, qui est le modèle dominant, qui est ce modèle du Brain Disease Model of Addiction, qui est un modèle extrêmement complexe, qui implique différentes structures cérébrales. Ça va du cortex préfrontal à des structures sous-corticales qui vous ont déjà été présentées, ce qu'on appelle le circuit de récompense, et qui fonctionne aujourd'hui en trois temps, qui implique 18 neurotransmetteurs différents, 18 sous-systèmes. Voilà, donc c'est une usine à gaz, en fait, mais qui est une usine à gaz qu'il faut voir aussi comme une synthèse. C'est-à-dire, c'est une synthèse de différents résultats qu'on a essayé de mettre en commun en disant bah, telle structure, elle a l'air de correspondre à tel comportement qu'on voit chez l'animal qui semble se calquer sur tel comportement que l'on rencontre chez l'homme. Donc, les sciences, entre guillemets, de l'addiction à ce moment-là sont la biologie, c'est-à-dire la neurobiologie, qui dit toutes les drogues et les objets d'addiction agissent in fine sur certains circuits cérébraux dopaminergiques et modifient l'activité de ces circuits en profondeur. C'est le passage de la récompense à l'addiction avec des modèles animaux. Et la psychologie, qui, elle, va présenter plus des modèles descriptifs. On va regrouper des troubles ensemble à partir de catégories qui sont préexistantes. On va parler de compulsion, on va parler de perte de contrôle, on va parler d'affect négatif. Et là, on se situe à un autre niveau de lecture complètement différent. Et les neurosciences, en fait, ont défini ce modèle de maladie à partir de ces deux fondements-là, c'est-à-dire ces deux niveaux de lecture, les niveaux de lecture intriqués dont on a entendu parler hier à la librairie, notamment, qui caractérisaient le vivant pour l'orateur qu'on a eu le plaisir d'entendre. Donc d'où vient le BDMA? Ce modèle Brain Disease Model of Addiction, il vient de la supposition qu'il y a quelque chose en commun, c'est l'addiction avec un grand A versus les addictions, c'est-à-dire on ne définit plus une addiction à tel produit ou à tel produit ou à tel produit, on définit l'addiction en général, il y a un processus commun, être addict à l'héroïne, être addict à l'alcool, être addict au vélo, au travail, au sucre, que sais-je, in fine c'est la même chose, il y a un même mécanisme. L'existence d'un fonctionnement addictif qui s'oppose aux classifications classiques en psychologie, des concepts descriptifs, parce qu'il a fallu décrire les comportements en question, mais aussi des engagements psychopathologiques qui vont plutôt dans le sens d'une pathologie de l'agir. Et surtout, l'idée qu'on ramènerait la psychopathologie à la neurologie. C'est-à-dire que le gros mouvement de pensée qui est derrière ça, c'est ça, c'est que la psychopathologie peut être amenée à la neurologie. Donc c'est un mouvement qui est très fort, notamment dans la psychiatrie anglo-saxonne et dans la psychiatrie américaine aujourd'hui. Donc quel est le problème? Le problème, le système de récompense permet aux récompenses naturelles d'acquérir une valeur motivationnelle. Donc c'est pas quelque chose qui en soi est déconnant. C'est-à-dire on a tous un système de récompense, il nous est utile à tous tout le temps. Ça nous permet de prédire les récompenses, ça nous permet de nous adapter à notre comportement. Ce qui a été dit ce matin sur l'attachement en mère-enfant, cette histoire de rythmicité, etc. La première référence dont vous avez parlé, c'est Schulz, qui a un grand nom de l'addiction, et notamment de cette histoire de réaction du système dopaminergique. Donc c'est un mécanisme d'apprentissage de bas niveau qui est commun à toute l'espèce humaine et qui est commun même à tout vivant qui possède un cerveau. Donc on est vraiment sur une notion là d'individu qui ne fait pas cas des différences interindividuelles parce qu'elles ne sont pas questionnées comme ça. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qui fait que tout un chacun va réagir exactement de la même manière. Les drogues addictogènes agissent comme des récompenses naturelles et peuvent modifier ce circuit. Il y a des neuroadaptations et ces adaptations sont responsables de la transition vers l'addiction. Racontée comme ça, l'histoire elle est tout à fait acceptable d'un point de vue neurobiologique. Mais, dans un papier de Robinson et Berridge, qui sont des neuroscientifiques, en 2003, se pose la question qui fâche. Et la question qui fâche, c'est que, je traduis en citant, je paraphrase, on va dire, Robinson et Berridge en changeant la langue en même temps que je vous le dis, c'est qu'on ne comprend pas bien quelles sont les fonctions psychologiques qui sont changées comme conséquence des modifications induites par les drogues. C'est le passage, en fait, à la dimension psychologique et à la dimension existentielle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Qu'on ne gère pas, c'est-à-dire qu'on a le système, on a le prérequis biologique qui travaille sur l'individu entendu comme des occurrences identiques d'un même type, alors qu'on va définir l'addiction absolument pas sur ce niveau-là, on le définit au niveau existentiel, c'est-à-dire on le définit au niveau de la personne.
Donc, avant de revenir sur l'autre partie, c'est-à-dire la dimension personnelle, il faut voir aussi que ce qu'on peut voir comme une sorte de réduction de l'humain à quelque chose d'assez squelettique, cette réduction à l'individu, à l'origine, elle part d'une histoire qui, pour faire court, apparaît au XVIIIe siècle avec Benjamin Rush, qui va définir l'alcoolisme comme une maladie. Ça n'est plus un vice à partir de Rush. Rush dit non, c'est pas un vice. La condamnation morale que l'on fait porter aux alcooliques est injuste. Ces gens sont des gens malades. Et tout le travail de la neurobiologie part de ce présupposé-là, et qui est un présupposé éminemment moral. Rush est un moraliste, qui est de dire l'addict est possédé, il est irresponsable, il est victime, il n'est pas juste de le condamner moralement. Et donc ce travail-là, qui peut passer pour une déshumanisation, et qui est d'ailleurs ce qu'on reproche au modèle maladie, en fait, part d'une volonté d'avoir un rapport plus juste avec des gens qui subissent une situation que l'on devrait plus plaindre et soigner que condamner, pour des raisons morales. Donc on passe avec Rush au XVIIIe siècle, et bon, je ne vais pas faire toute l'histoire du concept parce que ce serait très très long, il y a des aléas, on va passer de l'addiction comme quelque chose que l'on fait, avec toute la responsabilité pleine et entière que l'on porte pour les actes que l'on fait, à l'addiction comme quelque chose que l'on a. C'est quelque chose que l'on a, que l'on attrape, un peu comme la grippe en fait. J'ai la grippe, je ne suis pas forcément responsable d'avoir la grippe. Donc placer l'addict comme individu, comme uniquement corps biologique, en se débarrassant de la couche personnelle, c'est aussi dédouaner la personne, c'est aussi protéger la personne de la condamnation. Et l'idée générale qui est derrière cette réflexion, c'est une idée morale. Typiquement, si vous prenez un groupe de souris de labo, c'est des clones. Voilà. Et on a voulu voir l'addiction, et donc les addicts derrière, comme des clones. On a voulu voir ce qu'il y avait dans le substrat biologique, qui est le substrat commun, qui pouvait expliquer ce comportement, comportement qui pourrait nous toucher tous, quelles que soient nos spécificités personnelles. Donc l'individu vu comme ça, c'est ce qui est commun et ce qui est instancié en moi, en vous, en tout le monde. Et donc ma biologie et aussi mon esprit, si on prend les théories plus psychologiques qui vont s'intéresser au fonctionnement psychique, sont pris en fait comme des structures, comme des systèmes dans lesquels il pourrait exister des lois fondamentales de fonctionnement, et donc on en arrive à expérimenter et à expliquer ça sous la forme de mécanismes, et qui sont des mécanismes, si ce n'est causaux, en tout cas quasi-causaux, dans lesquels la liberté de choix n'a que très peu de place. Et c'est d'ailleurs ce qui définit l'addiction, et c'est ce qui nous effraie aussi dans l'addiction, c'est cette impression que nos actes pourraient échapper, en quelque sorte, à toute prise conscience de décision de notre part. Donc, la biologie, en s'intéressant au substrat qui nous est commun et peu à la dimension idiosyncratique, part du principe qu'on partage cette même biologie et que dans un contexte semblable, on pourrait avoir des conséquences absolument semblables, et alors on peut voir l'addiction comme une maladie, au sens de Wakefield par exemple, comme un dysfonctionnement préjudiciable à l'individu, dans lequel il n'y a pas de choix et il n'y a pas de responsabilité. Alors le problème, c'est que dans ce sens d'individu, où on a cette perte justement de responsabilité, et il n'y a plus de spécificité fondamentale qui serait la spécificité de la personne humaine. Il n'y a plus vraiment de « je », en fait. Il y a quelque chose qui arrive et qui pourrait m'arriver à moi, comme ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre. Et dans la tradition qui associe addiction et maladie, on récuse la responsabilité du sujet dans l'addiction. Il ne s'agit pas d'un choix, ça ne s'insère pas dans ce qui définit la personne, mais c'est une sorte d'excroissance en fait, qui lui est étrangère, comme le virus de la grippe m'est étranger. Donc l'addiction se retrouve externalisée en fait, et se retrouve séparée de ce qui fait la personne, et on ne peut la comprendre et on ne peut l'intégrer qu'au niveau de l'individu. On ne doit l'intégrer, pour des raisons morales aussi, qu'au niveau de l'individu. Cependant, la problématique, c'est que tous les critères que l'on a pour déterminer s'il y a addiction, s'il n'y a pas addiction, ne se font pas du tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que les critères aujourd'hui d'addiction, suite à différentes critiques qui ont été posées sur ce modèle, se font au niveau existentiel. Alors, par exemple, parmi les critiques que l'on peut avoir,
c'est que les références épidémiologiques, en tout cas les données épidémiologiques qui sont utilisées pour parler du chronic relapsing disorder, en fait, ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la population des consommateurs ne devient jamais addict et qu'une bonne partie des gens qui pourraient présenter des symptômes d'addiction semblent s'arrêter tout seuls. C'est-à-dire qu'on ne regarde qu'une partie très particulière qui a déjà une sous-population, qui sont des gens qui restent bloqués dans l'addiction. Voilà, enfin... que c'est basé sur le modèle animal et que donc ça ne donne pas, ça ne rend pas justice à la spécificité individuelle de l'addict, que la génétique n'est pas prédictive, etc., etc. Et surtout que c'est extrêmement compliqué. Mais une des plus grosses critiques qu'on peut, et qu'on peut entendre d'ailleurs sur ce modèle-là, c'est qu'il est relativement inutile. Il est inutile parce que où sont les traitements promis depuis des années, en fait, il y a très peu de traitements qui ont émergé, et la plupart des traitements médicamenteux qui ont émergé en rapport à l'addiction sont des traitements qui ont été émergés quasiment par hasard, en fait. Ils ne viennent pas du tout de la recherche neurobiologique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est, que ce soit le disulfiram ou autre, ce sont des traitements qui ont été découverts par hasard. Ce n'est pas la recherche neurobiologique qui est à l'origine de ça. Et puis, ça n'a strictement aucune efficacité diagnostique. Personne ne va aller diagnostiquer une addiction en allant faire un PET scan de quelqu'un. Déjà, ça coûterait 10 fois trop cher. Et en plus, on serait parfaitement incapable de savoir si cette personne, même en regardant une densité de neurones dopaminergiques, si on n'a pas eu l'image avant et après, elle serait réellement addict ou pas. Donc, l'addiction, par définition, doit s'appuyer dans la décision que l'on a quand on pose un diagnostic sur des critères qui sont: est-ce que votre consommation vous pose des problèmes dans votre vie de tous les jours? Ça, ce ne sont pas des critères neurobiologiques. Les critères neurobiologiques ont été pas complètement exclus des critères diagnostiques comme dans le DSM-5. C'est-à-dire qu'on a toujours une forme de compulsion, on a toujours des symptômes de sevrage, mais ils ne sont plus du tout obligatoires et probablement qu'ils vont finir par disparaître parce qu'il y a plein de drogues qui donnent ni craving ni symptômes de sevrage. Et en fait, quand on regarde les critères du DSM, ça va être des activités réduites. Vous allez avoir des activités sociales qui vont être réduites. Vous allez vous sentir pas bien dans votre vie de tous les jours à cause de votre consommation. Et donc toute la définition même de l'addiction ne se fait pas au niveau biologique, individuel, ni même psychologique, sur les mécanismes communs de fonctionnement, mais se fait au niveau de votre vie à vous. C'est-à-dire que deux individus dans des environnements, des contextes complètement différents, avec des fonctionnements personnels complètement différents et avec des consommations identiques d'une même substance, pourraient avoir, au sein d'une classification diagnostique, des classifications complètement différentes. Quelqu'un pourrait être vu comme addict parce que, par exemple, alors c'est des critères qu'on a enlevés du DSM, mais néanmoins les conséquences secondaires, ils sont toujours. Si vous vous faites arrêter sur la route en condition d'ébriété, que ce n'est pas la première fois, que vous perdez votre permis de conduire, vous arrivez en retard au travail, vous perdez votre travail, etc., d'un seul coup, votre consommation d'alcool vous pose des problèmes dans votre vie de tous les jours. Avec la même consommation d'alcool, si vous prenez le métro, vous pouvez passer au travers du crible. Vous pouvez passer complètement au travers. Donc, les critères pour parler d'addiction, en fait, ont une tonalité qui est une tonalité personnelle et pas une tonalité au niveau de l'individu. Et c'est une tonalité qui est fondamentalement existentielle. Et le rapport que l'on entretient à l'addict doit donc, selon les opposants au modèle maladie, être un rapport personnel, un rapport à la vie de la personne. D'ailleurs, il se trouve que dans les traitements, il semblerait que la meilleure façon que l'on ait trouvé de soigner les addicts soit évidemment les prises en charge médicales, mais plutôt pour traiter les symptômes physiologique de l'intoxication aux molécules, les symptômes de sevrage, mais que la part la plus importante soit le changement de vie. C'est-à-dire qu'il faille travailler sur la vie de la personne, une redéfinition des priorités. Et là, on n'est pas du tout dans le niveau de la biologie, on est dans le niveau de l'existence, de la vie de tous les jours, dans le niveau existentiel. Donc, ce qui se passe dans le conflit, c'est que les opposants au modèle maladie accusent les défenseurs du modèle maladie de déshumaniser l'addict, c'est-à-dire de le voir comme un animal de laboratoire, d'enlever toute la dimension existentielle. Et c'est pour les opposants à la fois inefficace, parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va déterminer si quelqu'un est addict, le rapport n'est pas juste vis-à-vis de l'addict quand on le regarde comme ça, parce qu'on n'a pas un rapport avec la personne. Donc on ne peut pas poser le diagnostic, parce que le diagnostic ne se fait qu'au niveau de la personne, et on ne peut pas l'aider, parce que l'aide ne peut se faire, en tout cas aujourd'hui, qu'en prenant en compte la dimension personnelle, mais aussi immorale. C'est une vision réductrice, déshumanisante de l'homme.
Alors, les tenants du modèle maladie, eux, accusent les opposants exactement de la même chose, c'est-à-dire de moraliser la consommation d'addiction, de donner une responsabilité à l'addict. Typiquement, le discours, c'est de dire, si vous êtes tenant du modèle maladie, vous dites que l'addict n'y peut rien, est complètement irresponsable, ne fait pas de choix, mais en même temps, le meilleur moyen qu'il a quand même de sortir de son addiction, c'est de compter sur ses ressources personnelles, de faire le choix et d'être libre. Donc si vous lui enlevez ça, vous lui enlevez tout. Et de l'autre côté, les tenants du modèle maladie disent « Oui, mais à ce moment-là, si vous dites que la personne est responsable de sa consommation de drogue et responsable en tout cas de son addiction, vous le culpabilisez vis-à-vis de sa famille, il devient responsable complètement de ce qu'il fait et vous allez rajouter la culpabilité, éventuellement la dépression, à un état déjà médical qui est catastrophique. » Donc chacun se renvoie la balle avec, pour les deux, le fait de revendiquer une approche qui serait l'approche la plus humaine, ou en tout cas plus humaine que celle des autres. C'est-à-dire que chacun se renvoie, en fait, soit d'être déshumanisant, soit d'être injuste. Et chacun se met dans la posture, évidemment, d'avoir une attitude humaniste et respectueuse de la personne humaine. Alors, en fait, le problème qui sous-tend ça, c'est le problème du rapport que l'on peut avoir à l'autre, et notamment à l'addict. Et on sent dans le débat que derrière tout cela, il y a des images de l'homme qui sont des images de l'homme différentes. Et ces images de l'homme, en fait, ne sont jamais expliquées. Il n'y a pas d'explicitation de cette image de l'homme sous-jacente. Or, cette question de l'image de l'homme, en fait, c'est la question qui est fondamentale à partir du moment où on veut traiter de l'addiction, non pas s'il s'agit de l'expliquer en termes de mécanismes scientifiques, mais si on veut traiter de l'addiction, si on veut essayer de dire bah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que d'être addict ? Qu'est-ce qu'un addict ? Donc elle se pose aussi pour la prise en charge, l'organisation légale, l'organisation sociale, etc. Ce qui est fondamental, c'est l'image de l'homme qui est derrière. Ça oriente aussi nos positions éthiques. Notre rapport à l'addiction est forcément un rapport moral. En fait, le problème de l'addiction, c'est qu'on va demander à la science de définir de manière objective un phénomène qui, par définition, ne peut pas être défini en dehors de toute considération morale. L'addiction, c'est à la base un outrage ou au moins quelque chose qui ne se passe pas bien. S'il n'y a pas une dimension mal, s'il n'y a pas du mal dans une pratique de consommation, il n'y a pas d'addiction. Or, la biologie ne dit pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui dit ce qui est bien ou ce qui est mal, ce sont nos rapports collectifs, enfin, c'est un rapport à ma vie, etc. etc. Donc, l'addiction est de toute façon, de façon très anecdotiquement, limitée à l'individu. Ce qui se passe mal, c'est ce qui se passe dans ma vie personnelle, mais c'est ce qui se passe aussi dans mes rapports aux autres. C'est-à-dire que fondamentalement, l'addict qui va se plaindre va souvent se plaindre à la demande de la famille ou à la demande de la justice ou sous la pression de conséquences qu'il voit se faire sur sa vie, mais sa vie qui implique son entourage. D'ailleurs, elle ne le concerne, ce sont des conséquences qui ne le concernent que très rarement tout seul. Et ça, c'est quelque chose que la biologie n'a pas pour rôle d'expliquer. Donc, l'addict, en fait, va renvoyer à ce qui nous effraie aussi, à ce qui nous révolte, à ce qui nous révulse. Et en fait, on s'en construit une image d'Épinal qu'il met à distance aussi en tant que personne. C'est-à-dire qu'en posant même le diagnostic d'addict, on a tout de suite en tête l'image de l'alcoolique, du crackhead, etc., etc. Donc, c'est une image qui est vécue comme complètement stigmatisante et qui a beaucoup de mal, en fait, à rentrer dans une acception qui serait de regarder la personne en tant que telle, en tant qu'individu, dans toute sa complexité. Je vais passer très vite. En fait, ce qui est sous-jacent et le seul argument qui est un argument de débat qui est très fort au niveau des anti-maladies, c'est l'argument du libre arbitre. En fait, la pomme de discorde est la seule définition qui serait donnée pour définir ce que pourrait être l'éventuelle image de l'homme qui est véhiculée par les opposants au modèle maladie, c'est vous enlever le libre arbitre. Et le libre arbitre est posé comme un prérequis absolu. On ne peut pas dire que quelqu'un n'a pas la possibilité de choix. Alors très rapidement, pour laisser la place au débat, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, un des auteurs les plus cités par les opposants au modèle maladie, en tout cas aux États-Unis, c'est Fingaret, qui a une position, je ne sais pas si Herbert Fingaret, qui est un philosophe américain qui est mort en novembre dernier. Il se trouve que la position de Fingaret sur le libre arbitre n'est pas du tout celle qui est proposée et défendue par les anti-maladies. Il y a même un article dans un recueil en son honneur qui est écrit par un éminent psychologue qui défend l'anti-maladie et qui parle de la position de Fingaret sur le libre arbitre. Et en fait, c'est pas du tout la position de Fingaret, qui est une position qui est beaucoup plus complexe que ça. Néanmoins, un autre auteur qui est fondamentalement cité, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est Sartre,
en fait, posant le libre arbitre comme voilà, un prérequis absolu. Et en fait, en venant ici, j'ai découvert dans Liberté et Commandement un passage qui est sur l'amour du maître, en fait, qui remplit l'âme à tel point que l'âme ne prend plus de distance. La crainte emplit l'âme à tel point qu'on ne la voit plus, mais qu'on voit à partir d'elle. Que l'on puisse créer une âme d'esclave n'est pas seulement la plus poignante expérience de l'homme moderne, mais peut-être la réfutation même de la liberté humaine. Et en fait, j'ai l'impression que Lévinas ouvre la possibilité, tout en posant la liberté comme l'essence de l'homme, pose la possibilité de l'absence de cette liberté, de la perte de cette liberté-là. Et que peut-être serait-il plus pertinent de se baser sur Lévinas pour discuter de la position par rapport à la personne addicte que de se baser sur Sartre vu par le prisme des Américains et qui est peut-être aussi une position sur le libre arbitre beaucoup plus compatible avec l'individualisme anglo-saxon que la position de Lévinas qui laisse la possibilité et qui prend acte de la possibilité de cette perte de liberté alors que dans le débat c'est positionné comme quelque chose qui n'est pas discutable. Voilà. Je laisse... Bonjour, merci. J'ai un commentaire et une petite question. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'addiction, mais pour avoir travaillé en proximité avec un spécialiste de l'addiction, il existe quand même des données récentes, alors je ne sais pas si elles sont toutes publiées, mais qui sont basées sur un modèle animal de maladie. Et qui, via l'utilisation, je crois que ça passe par la voie des endocannabinoïdes, ils sont en phase 2, ils sont en train de montrer qu'on peut effectivement mettre fin à la... Alors c'est dans la perte de contrôle par rapport au cannabis essentiellement. Ils sont en phase 2. Ils sont en phase 2. Voilà. Ouais, phase clinique. Oui, enfin, ça m'a l'air... Non, mais moi, je suis un fervent défenseur des neurosciences et je crois effectivement à la force de la science pour ça, pour nous amener des solutions techniques à ce problème-là. Néanmoins, depuis l'ouverture de la décennie du cerveau, etc., et les milliards engagés, en fait, on peut aussi entendre les arguments des opposants au BDMA. Il faut savoir que le BDMA, si on parle de structuration de la science, ce sont des budgets qui sont juste colossaux. C'est des budgets qui sont l'équivalent de certains États, en fait. Des budgets de recherche. Donc ça structure aussi la recherche de cette façon-là. Donc il y a aussi une dispute qui se fait pour la possibilité d'exister avec d'autres façons de penser. Alors étant moi-même issu des neurosciences, je suis partisan en grande partie moi, de ce modèle-là. Je ne suis pas forcément partisan de l'utilisation politique qui en est faite. Par contre, je peux entendre les arguments qui disent « Vous êtes gentil, mais là on parle de centaines de millions d'euros par an et on a quoi comme traitement ?» On a deux médicaments, le baclofène et le disulfiram. Le disulfiram, on s'en est rendu compte parce que les ouvriers qui travaillaient sur les pneus en respirant les vapeurs de caoutchouc pouvaient plus boire des coups le soir parce que ça les rendait malades. Voilà, donc on s'est dit, c'est peut-être pas mal pour travailler sur les alcooliques. Et le baclofène, d'un médecin qui a utilisé un médicament qui était fait pour complètement autre chose et qui s'est dit, mais ça agit sur le GABA, j'ai un problème d'alcool, si j'en prenais. Voilà, c'est pas du tout le BDMA qui a été à l'origine. Alors là, effectivement, c'est sur la base d'un modèle animal et visiblement ça a l'air. Oui, mais bon, mais il faut attendre les résultats. Et voilà, c'est ça. Le tout, c'est que phase 2 mise sur le marché, il y a. Voilà. J'ai une petite question parce que vous semblez aussi totalement dissocié l'aspect humain, l'expérience, la subjectivité, la responsabilité de l'activité cérébrale. Mais. A priori, il n'a pas dissocié totalement les deux. Alors qu'il y ait effectivement une différence entre une action directe d'un dysfonctionnement d'une structure et un comportement, et qu'après il y ait des choses à comprendre entre ce dysfonctionnement d'un réseau, d'un cérébral et ma responsabilité, sûrement. Non, mais que serait ma responsabilité sans mon cerveau ? Alors je suis sur cette ligne-là aussi, je portais en fait les arguments qui sont défendus aujourd'hui. Et alors là encore, je me fais l'avocat du diable, c'est-à-dire que je vais défendre une position qui n'est pas forcément la mienne, mais je peux comprendre aussi pourquoi on oppose ça au BDMA. La façon dont le Brain Disease Model est positionné en utilisant des mots qui ne sont pas des mots... qui ne sont pas des concepts en fait, qui sont issus de la neurobiologie. On en discutait avec Panou hier. En fait, on a dans la neuroscience comme trois jeux de langage différents. On fait des phrases avec exactement les mêmes mots, mais elles ne veulent pas du tout dire les mêmes choses.
et on fait des phrases en biologie, en psychologie et en philosophie. Et c'est vrai qu'en tant que biologiste, quand on fait des conférences et qu'on a des choses très intéressantes à dire sur les neurones, mais que si on veut avoir des financements ou si on veut simplement intéresser l'auditoire ou simplement parce qu'on se laisse un petit peu aller, on en arrive à affirmer des vérités sur le désir, le plaisir. La dopamine comme molécule du plaisir, par exemple, sur le site de l'INSERM, c'est assez étonnant. Parce qu'il n'y a pas du tout consensus sur ça. Il y a une vraie discussion sur est-ce que c'est le plaisir, le désir, est-ce que c'est un codage d'erreur. Enfin, voilà. On manipule quand même des notions qui doivent normalement faire appel à d'autres choses. Et on les affirme comme ça d'un ton péremptoire, et je me mets dans le lot, hein, du haut de la puissance politique, financière, culturelle que possèdent les neurosciences. C'est évident que une discussion sur la complexité du désir, du plaisir, etc. est beaucoup moins vendeuse que la photo d'un PET scan. Et c'est génial de faire des PET scans, enfin, c'est génial de faire de l'imagerie cérébrale. Mais c'est extrêmement frappant. Et c'est le passage de l'un à l'autre non discuté qui me pose problème. Mais je suis d'accord, je suis entièrement sur cette ligne. Mais ils sont bons pour ce qu'ils disent. Alors, mettons de côté cette partie-là, mais en tout cas, la biologie a des choses à dire, et c'est ce qui a été dit dans le premier talk aussi, c'est-à-dire elle ne dit pas ce qui est bien ou mal, elle parle de mécanismes, et qui sont fondamentalement, l'idée même, c'est de réduire, l'idée même, c'est effectivement de travailler sur les individus et pas sur l'idiosyncrasie, parce que sinon, on devrait faire des manips sur chaque addict, et évidemment, c'est pas pertinent. Je peux faire une remarque ? Ouais. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était un peu pour voir... Ce que tu proposes, les deux postures qu'il y aurait, c'est-à-dire la posture culpabilisante, moralisatrice, et la posture dite déresponsabilisante, qui enlèverait le libre arbitre et qui est controversée par les anti-maladies, c'est ça. Moi, je t'amène sur la question de l'ambiguïté du symptôme en psychanalyse et de la jouissance aussi, qui peut permettre... justement de dépasser ces deux oppositions et qui n'enlève pas non plus dans le cadre des addictions physiques le côté qui faille un traitement aussi physique Je serais plus pragmatique en fait et moins attaché au dire le vrai que ça. Je pense dans l'attitude vis-à-vis du patient, il y a des patients qui ont besoin de poser leur valise et qui ont besoin qu'on leur dise vous n'y êtes pour rien, et puis d'autres qui ont besoin de leur dire parlons de l'ambivalence de vos symptômes. Du rôle que ça prend pour vous. Et je pense que quand on est soignant, ce qui n'est pas mon cas, on n'est pas scientifique. On n'est pas là pour dire le vrai, on est là pour dire ce que l'autre a besoin d'entendre pour être soigné. Et pour ça, il faut comprendre la personne qui est en face. La science, c'est un outil uniquement. Et effectivement, ces approches psychanalytiques-là sont des approches qui rentrent dans le champ tout à fait de l'addiction et qui sont en conflit d'ailleurs en tout cas dans le débat. Mais peut-être qu'il y a des approches tout à fait divergentes, qu'aucune de ces approches ne peut... Complémentaires. Mmh. Et aucune ne peut valider en disant « j'ai la réponse A ». Mais que face au patient, à la limite, la réponse A, on s'en fiche un peu. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'il a besoin d'entendre, peut-être. Oui. Au moment où le patient vient. C'est un peu difficile de réagir à ce que tu viens de dire, l'ensemble de l'exposé. Bon, d'abord, la question du libre arbitre, elle est beaucoup plus générale en neurosciences. C'est la première chose. Deuxième chose, la question de l'hétérogénéité, elle est aussi visible chez les animaux, dans les modèles animaux. Sauf que les neurobiologistes cherchent à trouver les régularités. Donc, il va faire des moyennes c'est considéré, cette hétérogénéité est considérée comme une nuisance. Oui, c'est les recherches. Il reste néanmoins qu'il faut d'abord trouver les principes généraux et ensuite la signification des hétérogénéités. Il y a une signification des hétérogénéités, ou également du point de vue mécaniste. Donc ta critique des expérimentateurs qui cherchent les régularités, c'est en premier lieu, je crois que c'est opératoire, c'est parce que à ce stade de la recherche, donc c'est ça
ce à quoi on est intéressé en premier lieu. Maintenant, la critique des pro-maladies, en prenant l'argument de la manière dont c'est vécu, je ne pense pas qu'elle soit fondée. Parce que qu'on puisse s'intéresser à ce que ça signifie d'un point de vue existentiel, c'est certainement une valeur. Qu'on découvre qu'en s'intéressant à ce qui est existentiel, on puisse faire une influence et avoir une, disons, affecter ou modifier le comportement, là-dessus, on ne va pas discuter. C'est certain qu'il y a une possibilité. Mais à mon sens, c'est plus parce que, d'abord, il y a un aspect de valeur. D'accord ? Et ça, on peut s'intéresser à cette question-là indépendamment des mécanismes, indépendamment de la. Du traitement. D'accord ? Ça a un sens en soi de s'intéresser à ces choses-là. Mais, du point de vue. Je ne pense pas qu'il faille opposer ce qui est l'art de la médecine. Hein, puisque c'est un art, et c'est ça ce dont tu parlais. Mais ça reste une manière de traiter un mécanisme. Ouais. De trouver, c'est presque empirique. Ouais. D'accord. Mais ça ne nie pas ça ne nie en aucun cas le fait qu'il y ait, même sur quand tu passes de l'animal à l'homme, qu'il y ait un mécanisme, simplement il est beaucoup plus complexe et il implique des éléments qui ne sont pas chez l'animal. Donc, en ce sens, ma critique, c'est de. Pour moi, c'est maladie. Je suis pro-maladie dans cette affaire-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a d'autres aspects. Donc, je pense que ceux qui sont anti-maladie, comme ceux qui sont, disons, pro-maladie, de manière radicale, hein, ça relève simplement d'une certaine. Le simplisme de cette pensée-là. Et je ne pense pas que ça ait plus de ce que ça soit plus que ça. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, je suis sur cette ligne-là. La question de la diversité dans la biologie, c'est une question qu'on ne communique très peu vers l'extérieur, en tout cas que l'extérieur n'a pas tellement envie d'entendre dans ce débat-là. Effectivement, on est face à deux positions extrêmement simplistes, en fait. Et deux positions simplistes qui vont s'appuyer sur des... Pour moi, je pense que le fondement, c'est deux images de l'homme et deux images de l'homme qui ne sont pas définies, qui ne sont même pas réfléchies, en fait. Elles sont pas réfléchies, elles ne sont pas pensées. On est exactement sur la même ligne. C'est deux oppositions qui sont vraiment caricaturales. Je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête là. Peut-être reprendre cette discussion pendant le repas. Mais là, si on veut avancer, je vais laisser plutôt la parole à Val Grand-Girard. Donc Val, tu es diplômé d'un master en philosophie allemande et contemporaine, un master de recherche. Et plus récemment, là, tu as organisé un séminaire de lecture autour du livre « Queer Psychanalyse ». De Fabrice Bourlaise, et aujourd'hui le titre de ta communication, c'est Dédire et pratique pour une torsion du regard depuis les chairs mineures. Oui, merci. Alors, je ne fais pas d'avant-propos, je commence directement. Nous sommes des êtres parlants. Nous naissons dans un monde où nous apprenons à nommer avec les mots des autres. Le monde nous est signifié. Ce langage, et j'entends par là la production symbolique, les mots, les représentations, nous informe de l'être qui nous entoure. Si ce langage nous informe, il nous forme et nous déforme aussi, puisque nous sommes parlés par les autres avant que de parler à notre tour. Oh, la jolie petite fille! Oh, le beau petit garçon, il sera fort comme son papa. Ma petite princesse! Hé, sale pédé, t'es plus jolie quand tu souris et quand tu la fermes. Alors l'horloge biologique, ça tourne. Quand est-ce que vous faites des enfants? T'es dégueulasse, tu ressembles à rien, je vais te tuer. Le langage est par lui nos systèmes de pensée, nos dispositifs, constructions théoriques, scientifiques, viennent border l'appréhension d'un réel brut, grouillant, foisonnant.
nous rappelons que le réel n'est pas la réalité. La réalité se comprend déjà comme constituée par les mots dont nous usons pour en parler. Le réel, au contraire, se passe de mots. Tout du moins, il est ce qui fait effet lorsqu'un parlant fait l'expérience de l'ineffable, de l'écart inhérent entre le symbolique et son arbitraire face à la contingence de l'expérience vécue. Le langage vient nouer nos relations sociales. Par lui, nous faisons société. Nous échangeons, dialoguons, à partir de référentiels qui font commun. Ces référentiels nous sont induits par des mythes, des histoires, et, pris dans cette capacité discursive, nous nous racontons des histoires à propos du monde, de nous-mêmes, aux autres, dans un échafaudage continué de constructions théoriques et imaginaires. Cependant, par le symbolique, nous n'échappons pas à la matérialité du monde et, pris dans le nœud des relations sociales, le langage lui-même acquiert une matérialité, en cela qu'il a des effets sur les relations intersubjectives. Je voudrais vous parler du mythe de la différence des sexes, c'est-à-dire dire qu'il y a des hommes et puis des femmes, mais également tous les effets qui, depuis des siècles, en découlent. Le contrôle des corps, le maintien de la reproduction et de la catégorisation binaire des rôles genrés dans notre société, favorable à l'oppression systémique des dites femmes par les dix hommes. C'est cela que je souhaitais faire entendre avec ces échos et ces phrases lancées tout à l'heure, qui participent et découlent de ce mythe construit autour d'eux et pour l'hégémonie masculine vis-à-vis du féminin, ou de l'autre différent, comme l'écrivait la théoricienne lesbienne Monique Wittig dans La pensée straight. Il est donc de ces mythes qui, infusant tout le social, se mêlent, s'incrustent si profondément à nos échafaudages techniques, biologiques, médicaux, s'enracinent dans nos corporéités, que nous en venons à oublier leur nature symbolique, leur historicité, leur consistance mythique, fictionnelle, au service d'un ordre dominant, et au prix de les confondre avec une nature toute vraie, non touchée de main humaine. En 2019, et au moins depuis cette fameuse phrase de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », et les travaux au sein des Gender et Queer Studies qui en découlent, il est admis de différencier le sexe biologique, c'est-à-dire appareil génital, et le genre comme construit social. Par ailleurs, si cette idée de construction ne résout pas l'opposition binaire, nous avons notamment, maintenant en biologie, pu prendre connaissance des travaux de Anne Fausto-Sterling, notamment « Sexing the Body », traduit en français 12 ans après sa parution sous le titre de « Corps en tout genre, la dualité des sexes à l'épreuve de la science ». À propos du continuum sexuel, du fait qu'il n'existe non pas deux sexes, mais une multitude entrelacée de caractères physiologiques, en cela que le sexe en biologie est bien plus un continuum que deux catégories à peu près fixes, desquelles s'échapperaient parfois certains corps à titre d'exception. C'est ce statut d'exception qui donne le droit aux médecins de mutiler l'appareil génital estimé non conventionnel des bébés intersexes, comme en France, tandis que dans d'autres pays d'Europe, ces mutilations sont estimées illégales, pour pouvoir faire dire et dire à leurs parents, à la société, que celui ou celle-ci qui est né est un garçon ou une fille. En outre, qu'il ou elle pourra accomplir le rôle genré attendu d'elle ou lui dans la société. Bref, la différence biologique des sexes comme vérité allant par deux est largement remise en cause par un courant féministe de la biologie. Et nous soutenons que celle-ci est précédée de l'ordre symbolico-social du genre binaire et fabriqué. Cet ordre-là produit des corps qui sont comme des caisses de résonance, qui viennent le réfléchir, mais à l'oblique. Deuxièmement, il est de ces sciences, de ces techniques appliquées, qui n'interrogent pas de quoi elles sont faites, ne pensent pas leurs intrications aux fictions à partir desquelles elles sont produites, et que les chercheurs incarnent. Eux-mêmes ne considèrent pas leur production comme des fictions, et pensent découvrir une réalité naturelle qui est en fait créée de toutes pièces. De fait, ils s'octroient le droit de corriger les erreurs, ou d'élaborer des théories en vue d'améliorer les vies que leur propre cadre de vision expérimentale leur donne à voir. Dans bien des cas, les pratiques scientifiques et ceux qui les impliquent, je pense aux choix politiques de recherche qui les financent,
car ce sont des choix politiques, des places de pouvoir, participent à maintenir en vie ces mythes. Et avec eux, leurs effets, leurs nouages sociaux, leur lot de violences normatives. Parfois, cela est plus insidieux, notamment lorsque cela n'est pas formulé comme la correction de l'erreur, mais comme je le disais, d'une amélioration de la vie de l'individu. Qu'est-ce à dire ? L'enfer est pavé de bonnes intentions et les corps, les subjectivités en pâtissent. Je vais vous parler, à titre d'exemple, d'une récente étude de neurosciences, précisément de neuroendocrinologie, à propos de la différenciation sexuelle du cerveau et de son implication, son expérimentation, avec et pour les cerveaux des personnes dites souffrant de troubles de la différenciation sexuelle, ou dans des termes moins pathologisants, mais qui ne sont pas ceux utilisés ou portés par cette recherche, des personnes transgenres. Mon propos serait ici de montrer en quoi, ce qui ici peut sembler comme novateur dans le champ scientifique est en fait une capture de la science des expériences de vécu mineur, qui en annule la portée politique, lisse la subjectivité et masque son caractère éminemment produit au sein d'un système de normes dominantes, faisant mine d'accorder une reconnaissance à des sujets tout en niant leur inscription dans un monde de chair et de mots, leur corporéité affectée par une certaine géographie sociale. Alors voici quelques questions éparses. Au fur et à mesure que se fait l'histoire conjointement aux productions scientifiques, sommes-nous héritiers du même ? Quand la science fait-elle invention ? Lorsqu'elle invente de nouvelles prouesses techniques, d'imagerie toujours plus précises, ou bien lorsqu'elle tord son regard vers elle-même pour produire, en assumant son regard toujours partiel et en prenant en compte le contexte social et politique depuis lequel elle parle, au risque d'en bousculer l'ordre. Qu'est-ce que ça implique pour les sujets vivants ? Cette étude, donc, est menée et dirigée par Julie Becker au sein de l'Université de Liège, débutée en 2009 et subventionnée à plus d'1 million d'euros. Les travaux et résultats récents de cette étude ont été présentés en 2018 au 20e Congrès européen d'endocrinologie. Je ne rentrerai pas dans le détail technique de cette étude, j'interroge plutôt son cadre de lecture, sa logique épistémique sous-jacente et l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies et nos façons d'habiter le monde. Julie Becker étudie le fait que certains enfants et adolescents souffrent de, je cite le terme de l'étude, dysphorie de genre. La dysphorie de genre est un terme médical utilisé dans le manuel de l'Association américaine de psychiatrie, le DSM, pour décrire la détresse de personnes transgenres face à un sentiment d'inadéquation entre son sexe assigné à la naissance, fille ou garçon, et son identité de genre. Par ailleurs, si cette définition de dysphorie de genre différencie l'identité de genre et mentionne le caractère d'assignation du sexe, l'étude dont il est question ici ne pense pas cette assignation, ni le contexte de celle-ci. L'étude cherche une cause à la dysphorie de genre, à même le cerveau, dans les mouvements cérébraux. C'est un cerveau dont nous pourrions dire qu'il est pensé et vu sans dehors. Il n'est pas nouveau d'entendre dire que certaines approches cognitivistes fonctionnent en circuit clos. Toutefois, au sein de ces sciences, il existe des chercheurs et chercheuses qui prennent en compte la dimension sociale comme essentielle au développement du cerveau, au mouvement de sa plasticité dans le temps, une dépendance de celui-ci aux relations sociales. Tel est le cas de Catherine Bidal, neurobiologiste, qui travaille également sur la plasticité du cerveau et soutient qu'il n'y a pas de développement normal et binaire quant à la différenciation sexuelle, mais seulement un développement particulier pour chaque personne dans un environnement situé. De plus, celle-ci fait remarquer que les différences observées entre les cerveaux dans un groupe de personnes mixtes sont bien plus importantes que les différences éventuelles entre les dits hommes et les dites femmes. Dans l'étude de Becker, la plasticité cérébrale se voit d'emblée caractérisée d'un partage entre le normal et le pathologique, dont le point de pivot serait la capacité de différentialisation sexuelle et qui serait intrinsèque au fonctionnement du cerveau. En outre,
cette étude confine la dysphorie de genre à la résultante d'un cerveau atypique. Selon Becker, ces recherches vont permettre de diagnostiquer plus tôt dans la vie d'un individu les signes d'une transidentité précoce, afin de l'accompagner médicalement dans une démarche de changement et de réassignation, en prescrivant notamment des bloqueurs de puberté à ces enfants pour diminuer la souffrance qu'ils expriment vis-à-vis de leur corps en train de changer. Pour moi, ce que l'on appelle la dysphorie de genre, c'est le nom que la médecine, la neuropsychiatrie, donne à l'expérience d'un trouble qui apparaît aux confluences d'une histoire singulière et collective, d'une appréhension de l'espace et des autres genrées construites, qu'elle tente alors de naturaliser. Il s'agit de cerner la répétition du même dans cette étude. Elle se situe dans le mouvement de renaturalisation du sexe. Par la technique de l'IRM, ces observations, en déplaçant le génital dans le cerveau, rebattent les cartes d'une même épistémée de la différence. Il y a quelques formulations qui me questionnent d'autant plus dans cette étude et qui vont me permettre d'ouvrir sur d'autres propositions, notamment cette phrase de Becker que je vous lis. Face à cette problématique, celle de la dysphorie de genre, mon objectif est double, établir un diagnostic scientifique précoce qui objectiverait la demande de l'enfant et d'autre part, comprendre les causes du phénomène. Fin de citation. Il me semble que la demande est niée en tant que demande, tout du moins que le sujet s'en voit dépossédé. Affublé d'un diagnostic sans histoire, le sujet est privé de sa fiction à la manière dont la science se fait aveugle de la sienne. Les questions qui, pour moi, demeurent des impensées sont les suivantes. D'où provient cette demande? Quel est son statut, sa fonction? Et plus loin, qu'est-ce que trans veut dire? Cette demande d'enfants et d'adolescents qui se manifeste peut-être par un dire, une parole, du moins l'expression d'un malaise, est toujours celle d'un sujet et n'est pas sans lien avec le corps en tant que corporéité. Non plus le corps objet de ce cerveau-là, muet, mais une corporéité sentante, existante et prise dans un monde de relations sociales. Dans une acception lacanienne, nous pourrions dire que cette demande émerge aux confluences de la rencontre d'un sujet avec le réel et le symbolique, qu'il formule et qu'il incarne. Il l'incarne en cela qu'il ressent un malaise, tout du moins un trouble, depuis son corps, mais aussi dans l'usage des signifiants, filles, garçons, hommes ou femmes, dont il dispose pour se dire. Et depuis l'espace d'où il parle, espace dans et par lequel il existe, qu'il expérimente, espace qui se fait lourd d'un sens, tant qu'il est lui aussi imprégné du mythe de la différence binaire et violente. Mais même dans le champ psychanalytique, dont les analystes par ailleurs pensent la demande et le sujet de cette demande, les poncifs conceptuels du nom du père, de l'Œdipe, du phallus, de la différence des sexes et leur lecture unilatérale et hétéronormée ont bon ton. Néanmoins, l'espace analytique a cela qu'il se fait espace à interroger la marque du signifiant, des discours, à produire une fiction singulière. Et il est heureux de voir que les écrits à propos d'une clinique mineure émergent peu à peu. Pour ne citer que les récents travaux de Fabrice Bourlaise, Queer Psychanalyse, ou ceux de Tammy Ayouch. Ce dernier, dans son ouvrage Psychanalyse et hybridité, prend l'exemple d'une scène où se produit une installation humaine, fruit de deux artistes italiens, appelée l'obsolescence du genre, comme lieu de visibilité des corps et d'éclatement de la dualité des genres. Au départ, des danseurs et danseuses s'avancent nus en portant des masques. Ces corps sont les corps de, je cite Tammy Ayouch, femmes trans avec pénis, femmes cis, c'est-à-dire qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, hommes trans sans prothèse pénienne, hommes cis, toutes sont nues et parmi elles et eux passe un corps plus solitaire, mute d'apparence dite féminine, qui s'habille en homme sur scène. Lorsqu'à la fin, elle et il laissent tomber ces masques de leur visage, contestant du même coup l'apparence propre à la nudité, Tammy Ayouch nous dit que la vérité du genre
ne se montre pas alors dans le corps biologique ou l'appareil génital, mais dans un visage qui se dénude, renvoyant ici au sens lévinassien du visage, à savoir commandement infini de responsabilité et extrême vulnérabilité dans l'exposition aux normes. Il poursuit, une psychanalyse de l'hybridité, hybridée par le genre, est alors une psychanalyse de la vulnérabilité, liée à l'exposition aux normes. Tammy Ayush ouvre cette voie pour la clinique psychanalytique, mais ceci devrait, selon moi, être une constante pour qui se fait dépositaire d'une demande, d'une parole de sujet, qui essaie de se dire, de vivre en travers d'une langue majeure et d'un certain régime du visible. Revenons-en à la demande initiale, celle que Becker dit vouloir objectiver par l'IRM. D'où provient-elle ? Des profondeurs d'un corps qui se construit à même le monde qui l'entoure. Un corps qui porte le regard normé du monde qui l'entoure et se fait entendre depuis le réel d'un corps marqué par les signifiants. Réel insupportable par leur absence ou leur incomplétude, leurs orientations politiques. Ce qui a pris forme tremble, frémit ou éclate, se tord, pouvant alors permettre dans son dévoilement l'élaboration d'un autre regard quant à la réalité, l'élaboration d'autres récits, d'autres pratiques. Queer de twerk, de torquere en latin, queer une torsion du regard. Dès lors, la question serait, face à cette demande, bien plutôt de savoir ce qui se trame là pour un sujet situé dans un univers symbolique, politique et social. Et qu'est-ce que ça vient dire, d'une part, pour ce sujet, et ceci ne nécessite pas de scruter l'organe cognitif ou tout autre organe du sujet, et d'autre part, qu'est-ce que ça vient dire de cet univers même et de son organisation ? Cette question se retourne et se pose à ceux qui pratiquent ces IRM et leurs conséquences médicales. Qu'est-ce que votre cadre de lecture vient dire ? Qui assimile-t-il ? Qui exclut-il ? Que propose-t-il comme monde habitable et comment ? Je cite une dernière fois Julie Becker qui répondait en 2009 à un entretien pour présenter ses débuts de recherche. Début de la citation. Je compte bien utiliser la banque de cerveau du Netherlands Institute for Neurowetenschappen qui dispose pour l'instant de 11 cerveaux de transsexuels. Je pense que l'étude de ces tissus cérébraux pourrait nous aider à la recherche de preuves biologiques du sexe du cerveau, ainsi que dans l'identification des mécanismes cérébraux impliqués dans les troubles de l'identité sexuelle comme le transsexualisme. Fin de citation. Je reprends. Le seul monde habitable, mais impensé par ces expérimentations, est le monde de la différence sexuelle, le monde de la différence binaire. Décoder, recoder les corps, certains corps, pour en laisser d'autres, les indociles, en bordure de route. Car malgré tout, les indociles demeurent et s'activent. D'autres corps habitent déjà ce monde-là, produisent d'autres récits et se rendent visibles. Tout du moins d'abord dans des réseaux de solidarité avec leurs pairs minorisés. Pour nous, dans un premier temps, le phénomène de trouble vient montrer en quoi cette organisation majoritaire est une histoire parmi d'autres, qui écrase les autres histoires qu'ils, elles, nous, demandons de faire entendre. Donna Haraway, philosophe et biologiste, dans son manifeste Cyborg, paru en 1991, nous raconte l'anecdote de Suzanne Leistar, sociologue. Je la cite. Celle-ci, Suzanne Leistar, explore la question du parti pris et des stratégies de prise de position dans le jeu d'enrôlement et de formation d'alliances qui constituent le quotidien de l'action techno-scientifique. Elle se place d'un point de vue féministe et interactionniste et privilégie dans l'enquête le point de vue de ceux qui souffrent du traumatisme de ne pas être comme tout le monde. Ne pas être conforme aux standards est un autre type de transparence ou d'invisibilité. Star cherche à voir si le fait d'expérimenter une situation de ce type est un facteur favorable à la fabrication d'un meilleur témoin modeste. Star se sent tenu de parler d'un point de vue du monstre,
de celui qui est placé hors du propre et du clair. Elle suppose que les voix de ceux qui souffrent des abus du pouvoir technologique ont une puissance analytique plus riche. Son allergie personnelle aux oignons, fâcheuse et persistante, et les difficultés qu'elle rencontre à convaincre les personnels hôteliers de la réalité de cette condition sont utilisées comme ressort narratif pour introduire la problématique de la standardisation. Posant la question du pouvoir dans les sciences et les techniques, Starr regarde la façon dont les standards imposent un travail invisible à certains et facilitent la vie à d'autres, et comment la consolidation des identités pour certains produit de la marginalisation pour d'autres. Fin de la citation. Donna Haraway conclura son manifeste cyborg en reprenant cette anecdote de l'oignon et de l'allergie à l'oignon pour l'étendre à tous les rapports des sciences et technosciences au corps vivant. Je la recite. Il s'agit bien de se souvenir que nous aurions pu être autres et que nous pourrions l'être encore, pour ainsi dire, corporellement. Être allergique aux oignons, c'est un artifice pour déranger la tendance des chercheurs à oublier leurs propres responsabilités dans les processus d'exclusion à l'œuvre quand il s'agit de définir ce qui compte comme connaissance. Une nausée et des maux d'estomac persistants, voilà ce qui nous donne un sens aigu de ce qu'est une connaissance située. Fin de la citation. C'est bien un de mes points ici. Le choix de définir ce qui compte comme connaissance appartient aux dominants, et ce qui surgit depuis le trouble persiste comme impensé. Serait signe de la puissance productrice, créatrice d'un sujet d'être autrement. Ce n'est plus ici le trouble de la différence sexuelle déterminé par un système bien précis du normal et du pathologique, mais un trouble existentiel incarné qui se sent confronté à une réalité matérielle et sémiotique, pointe du doigt la bizarrerie de la marque du genre, ou qui, du même coup, sent que son champ de désir ne s'arrête pas là, où le marqueur binaire tombe, fait violence et définit sa place au sein du groupe humain. Ce souvenir que l'on aurait pu être autre provient d'une conscience aiguë d'être déjà l'autre. Autre impropre à la connaissance, au langage, au visible, autre vacillant à l'orée de la standardisation des parcours. Les conséquences de l'étude de Baker sont une de ces voies de standardisation. Elle agit comme une technologie policière du genre et de la sexualité. Si la mise en place de traitements hormonaux peuvent en être la conséquence, ceux-ci adviennent dans la logique d'un traitement médical sous le prisme d'un cerveau dit atypique, pour replacer son sujet dans les catégories homme-femme. C'est aussi un argument de plus aux institutions médicales choisies par le ministère de la Santé pour prendre en charge les parcours de transition, tels que la SOFECT, c'est-à-dire Société française d'études et de prise en charge des transidentités, de la transidentité, bien sûr pour eux les transidentités ne sont pas plurielles, pour domestiquer un peu plus ces parcours ou émettre un frein supplémentaire à leurs possibilités. Il faut maintenir la différence des sexes et faire de ces autres des anomalies à traiter, en leur faisant croire qu'on les accompagne bien ou les réintégrer dans le système binaire, en s'assurant de leur bonne incorporation des critères de genre de destination. À l'opposé, le philosophe Paul Preciado, dans son livre « Testo Junkie », raconte, comme dans un journal, son utilisation des hormones sous forme du hacking, d'une déformation du corps, d'un autre investissement de la corporéité, en vue de la déterritorialiser du système sexe-genre. Il dit « Je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, mais pour trahir ce que la société a voulu faire de moi, pour ajouter une prothèse moléculaire à mon identité transgenre low-tech, faite de gods, de textes, d'images en mouvement. Ces pratiques viennent bousculer les marqueurs, déjouer le « ce qui va de soi ». Loin d'être une bouscule dont les assises seraient des jeux de langage, mais la proposition de nouvelles pratiques corporelles, sexuelles, textuelles, depuis des corps tordus par l'injure et mal redressés par la science. D'autres corps, d'autres appréhensions des corps, d'autres connexions sont possibles.
Trahir ce que la société a voulu faire de nous, c'est revendiquer des savoirs situés, proposer d'autres expériences d'existence, à la façon qu'a eu de le faire Monique Wittig avant Preciado. Depuis son postulat que les lesbiennes ne sont pas des femmes, énoncé dans la pensée straight, elles ne sont pas des femmes car cette notion, cette catégorie de genre est éminemment liée à la catégorie de classe, en cela que les lesbiennes échappent au système de la reproduction d'une sexualité hétéronormée et au rouage de la production capitaliste qui s'articule autour de la répartition genrée du travail. Ici, outre les travaux de Wittig, on peut se référer aux travaux plus récents de Silvia Federici sur l'invisibilisation du travail domestique des femmes au service du capitalisme. Bref, Wittig écrit d'autres textes plus poétiques comme « Les guerrières » ou « Le corps lesbien », des textes de fiction autour de mondes délestés de l'hégémonie masculine, des mondes d'amantes, d'amazones, celui de corps non encodés par la sexualité reproductrice, de sujets conscients des rapports de pouvoir intrinsèques à toute relation, et ouvre entre autres des chemins de désir en proposant des connexions autres pour les corps. Elle ne centre pas la sexualité sur les organes génitaux et donne par exemple à sentir des métamorphoses qui rendent poreuses les frontières avec le non-humain. Ces histoires convoquent d'autres imaginaires possibles qui produisent et prennent source dans de nouveaux investissements de corps, des relations à l'autre, au vivant, des devenirs qui excèdent l'ordre binaire des choses. Paul Preciado nous dit que trans fait partie de ces identifications négatives comme Gwyn ou PD qui sont devenus de possibles sites de production d'identité résistant à la normalisation, attentive au pouvoir totalisant des appels à l'universalisation. Plus que des identités figées, ce sont des fictions nouvelles. Et c'est dans la mise en écriture d'expériences impropres que celles-ci se transmettent, s'échangent et prennent corps. Par ailleurs, si à l'image d'une IRM non questionnée et plus généralement à une science monolithique qui dénie la parole du sujet, son ancrage social et politique, j'oppose des voix prenant racine dans l'expérience réelle et florissant vers des narrations autres pour la production de connexions moins oppressantes, le queer, ça n'est pas d'abord la promesse du bonheur. Le queer enjoint à tordre le regard. Mais si le mouvement queer est avide de fiction et de récits singuliers défiant les normes, ceux-ci sont bien souvent menés depuis des vies précaires, celles dont je disais qu'elles sont laissées sur le bord de la route, précarisées matériellement, affectivement, car jugées non conformes au monde dont il a été décidé par d'autres de la voie à prendre pour l'habiter convenablement. Je veux surtout mettre en avant ce que la conscience d'être exclue épistémologiquement, matériellement, de la table où se partage une certaine idée du bonheur, peut permettre de produire comme savoir pour ébranler les fondations, les artefacts de cette même table. Aussi, sentir qu'on ne peut plus ou être forcé de ne plus pouvoir partager, manger à cette table suppose de pouvoir subsister ailleurs. Il nous faut alors renverser la dominance de qui dispose des moyens pour empêcher la vie et la subsistance des vies précaires. J'ai filé la métaphore quant au fait de se nourrir d'échanges et au fait de manger, car cette métaphore de la table me vient de Sarah Ahmed, l'auteur de « Queer phénoménologie » et de « La promesse du bonheur », qui dit ceci à propos des « rabat-joie féministes et autres sujets obstinés », qu'elle nomme ainsi en reprenant les termes dont elle est affublée. Elle dit: tant de discussions que j'ai eues à propos de cette recherche, celle sur la promesse du bonheur, ont impliqué des échanges d'histoires de rabat-joie. Je me rappelle d'une fois à la table d'une conférence où l'on discutait du fait d'être des rabat-joie à la table familiale. La conférence était organisée par l'Association australienne des études critiques sur la race et la blancheur en 2007. Et c'était la première fois que je me rendais dans une conférence en Australie en tant que personne de couleur originaire du pays, et je m'y suis sentie chez moi. Aujourd'hui, je pense aux espaces créés par de telles conférences comme des espaces qui fournissent de nouvelles sortes de tables, peut-être des tables qui soutiennent ceux qui n'ont pas de siège aux tables du bonheur.
Fin de citation. Je terminerai tout à l'heure sur la transmission de ces joies collectives. Pour en revenir au lieu de la production des savoirs, il en est de la responsabilité de chaque chercheuse, les théoriciennes, les scientifiques, de penser l'incidence des points de vue situés majoritaires. Mais l'histoire montre que si ceux-là qui les produisent ne se posent pas la question, c'est aux minorités de les secouer, de les retourner depuis leur propre expérience de vulnérabilité. Pour étendre ce champ hors des minorités de genre, je pense à la manière dont Fanon pensait l'incidence du système colonial et du racisme sur les corporéités noires, contexte que la psychiatrie occidentale, à la même époque, ne questionnait pas lorsqu'elle étudiait les troubles de ces personnes, en plaçant sur elles et eux des grilles occidentales au relent d'exotisme. Le féminisme intersectionnel dont Sarah Ahmed est partie prenante est très imprégné de ses travaux. Et lorsque nous utilisons le terme de queer, étrange, tordu, nous incluons avec les distorsions du système sexe-genre les minorités racisées et toute personne subissant l'oppression d'un système binaire, les blancs les autres, les hommes les autres, les hétérosexuels les autres. Les voix, les pensées, les productions contemporaines, mais aussi les traces, les archives de ces autres-là, forment un bagage nécessaire et important au déploiement d'une objectivité forte, telle que conceptualisée par la sociologue Sandra Harding. C'est-à-dire, non plus la fausse neutralité objective, une innocence dans l'usage de l'outil, des technologies et dans la théorisation des systèmes, mais une objectivité forte d'une multitude de points de vue qui assument leur caractère subjectif et toujours partiel. Un patchwork qui implique un plus grand nombre de points de vue, ou plutôt au-delà d'une simple quantité numérique déliée, un réseau de connexions de ces points de vue situés, qui complexifie une pensée de la réalité en se nourrissant du récit d'expériences multiples, pour réfléchir aux incidences de ces pensées, à leurs intrications politiques. Haraway avance que nous avons besoin du pouvoir des théories critiques modernes sur la façon dont les significations et les corps sont fabriqués. Non pas pour dénier signification et corps, mais pour vivre dans des significations et des corps qui est une chance dans l'avenir. Depuis cet appel à vivre dans des significations et des corps qui est une chance dans l'avenir, je vais, pour conclure, me déplacer sur la question des archives. Il peut sembler étrange de mentionner le terme d'archives qui fait référence au passé lorsqu'on vient de dire qu'il faut penser le contemporain et appréhender l'avenir. Je parle de cela car en ce moment même, le collectif d'archives LGBTQI se constitue à Paris et tente de penser et de mettre en place un centre d'archives LGBTQI. Pour les oubliés de la grande histoire et pour la survie des traces de vie que les archivistes institutionnels prendraient méticuleusement soin de ne pas rendre publiques si elles finissaient entre leurs mains. Un de ses membres relate que, quand les archives nationales sont venues dans nos 300 mètres carrés d'archives LGBTQI, seules deux armoires semblaient d'intérêt national. De quoi rejoindre mes questions éparses du départ. Qu'est-ce qu'on laisse aux vies à venir? Qu'est-ce qu'on propose aux vies en train de se faire? Si la subjectivation se fait à même la situation politico-sociale dans laquelle baigne le sujet en train de se faire, il convient de transmettre, d'échanger, de rendre visibles d'autres histoires, d'autres représentations, paroles du désir que celles majoritairement représentées. Ce collectif s'efforce de penser l'archive mouvement, l'archive vivante, constitué par et pour l'archive mouvement, l'archive vivante, constituée par et pour les personnes concernées, pour rendre visible et accessible l'histoire multiple de ces subjectivités, leur constitution mouvante. Malgré le manque de subventions accordées à ces volontés de création de centres, nous devons créer les archives dont nous avons besoin, car nous avons besoin de puiser des ressources, d'y trouver des représentations de figures réelles, mais aussi
pour rendre compte et historiciser des parcours des minorités à travers leur propre appréhension du pouvoir médical. Je pense aux victimes du sida. Dévoiler les chemins que peuvent prendre des pratiques collectives, les rencontres en non-mixité et la transformation critique de ces espaces au fil des années, les conversations solidaires, fructueuses dans leur pensée de l'avenir et les façons dont certaines appréhendaient leur situation minoritaire. Pour finir, je remercie mes amis féministes et queer qui, depuis la fin de mon adolescence, tôt mais déjà tard, m'ont transmis par bribes leur joie, leur peine, leur bibliothèque militante queer longuement autoconstituée, leurs zines et films underground qui parlent de la colère et de la puissance de corps étrange et beau. Merci. Il est 13h-10, on a le temps pour quelques très très courtes questions, quelques très très courtes réponses. Il y a une question là. Oui, on va. Un point que je n'ai pas tout à fait compris. Enfin, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Hein. De toute façon, j'ai des problèmes d'attention. Donc, je suis un peu ADHD. Il faut arrêter la recherche sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut arrêter la recherche scientifique sur ces questions ? Ça dépend quelle recherche et qui l'a fait. Ce que je suis en train de dire, c'est comment on fait la recherche et est-ce qu'on a un regard réflexif sur les sciences qu'on produit ? Si on les contextualise, ça dépend de quelle recherche en fait. Recherche en sciences humaines, recherche. En fait, ça dépend. De la neurobiologie. La neurobiologie. Bon, et ben ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, le monde n'est pas prêt de changer. Enfin, il change très, très petit à petit, mais je veux dire. En fait, finalement, en parallèle de cette recherche-là menée par des personnes qui ne sont pas forcément concernées en biologie justement ou en neurobiologie, il y a tout un tas de savoirs qui se transmettent entre les personnes trans, par exemple, entre elles. Et des savoirs qui font parler leur corps à eux et les effets que ces productions ont sur leur corps. Et en fait, ça constitue aussi une forme d'un savoir parallèle. Bon, après, c'est la question de l'hégémonie d'un savoir. Qu'est-ce qui est le savoir le plus important ? Et puis, en fait, finalement, de ce qui en découle en fait, c'est-à-dire que ces recherches elles se font dans le but après de, je sais que Julie Baker par exemple a travaillé avec une clinique à Amsterdam, une clinique spécialisée dans transidentité en fait, mais moi je critique l'unilatéralité, la vision unilatérale d'un parcours en fait. Ils ont une conception de la transidentité qui est pas politique du tout. Voilà, après est-ce qu'il faut continuer la recherche, c'est pas ma question là. C'est aussi la question. Je suis comme vous, je suis pas sûr d'avoir tout compris. D'attention et d'obsession aussi. Donc je lis avec ma grille ce que vous dites. J'arrive pas à penser que le discours que vous portez est minoritaire. Je le vois même comme majoritaire. Je ne lis et je n'entends que cela. Et est-ce que vous vous rendez compte enfin, de cela que vous avez un discours très, 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 très écouté, très entendu. Et quand vous parlez de chair mineure, ou de discours minoritaire plutôt, je pense que vous avez employé ce terme, je n'arrive pas à être d'accord avec ça. Je dirais même que Deleuze reviendrait aujourd'hui, il serait étonné de ce qu'il a engendré au fond, de ce discours qui pouvait être minoritaire à un moment donné, est devenu extrêmement, majoritaire, pour ne pas employer un autre mot. Ouais, déjà, je ne pense pas que ce discours-là soit l'enfant de Deleuze, parce que Deleuze, bon, non, je ne pense pas. Je pense que ces choses-là, ça prend racine dans nos corps aussi. Deleuze, on peut s'en servir avec les mots qui sont les siens pour parler de ce qu'on vit et pour pouvoir analyser un peu ce qu'on vit. Après, par ailleurs, pour la visibilité, donc vous dites qu'elle est majoritaire de ces discours-là, peut-être qu'elle est majoritaire.
une doxa représentée dans certains médias et représentée d'une certaine façon et aussi reprise par un certain capitalisme, en fait, de qu'est-ce qu'on donne à voir et comment on le donne à voir, c'est toujours la même question. Moi, je ne suis pas... Quand je vois ce qui est représenté, je ne sais pas où vous parlez que c'est représenté, mais pour moi, pour trouver des choses qui me satisfont, quand je cherche des choses là-dessus, je vais vers des auteurs qui ne sont même pas traduits en français. Je vais vers des textes de blogs particuliers, écrits par des gens que je connais. Je ne lis pas les gros articles qui sortent dans des médias à grande visibilité, en fait. Hein. Mais voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais... Ouais. Que ce soit visible ne change pas le fait qu'il y a de la violence, en fait. Je veux dire, c'est ce que j'ai pas dit, mais c'est un argument qui ne tient pas la route par rapport à ce que j'ai énoncé, parce que finalement, moi, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que le mythe, il y a le mythe de la différence sexuelle qui continue à avoir des effets, mais notamment quand on voit que il y a le droit reculant dans certains états de pouvoir disposer de nos corps sans pénis ou nos corps avec utérus, je parle de là du droit à l'avortement. Les femmes trans qui sont assassinées dans plusieurs pays, les violences homophobes à répétition, et tout ça, en fait, c'est aussi à un niveau institutionnel, on le voit. Enfin, c'est très, très. Une dernière remarque, puis après on va arrêter là. En fait, moi je suis pas sûre de bien comprendre ce que vous voulez dire quand vous parlez de discours majoritaire, parce que. Je me demande s'il n'y a pas une équivoque là-dessus, parce qu'en fait, là, il n'est pas question d'une quantité de discours qui émerge là-dessus, parce qu'effectivement, il y a plus de discours qu'avant là-dessus qui circulent. Après, effectivement, il y a des discours qui sont repris par le capitalisme et compagnie, et il y a des discours... Enfin, c'est pas parce qu'on entend un peu plus un discours qu'avant qu'il y a des effets en conséquence... Où ça change radicalement, en fait. Là, il est question des violences matérielles que les personnes minorisées subissent. Et ces violences, en fait, elles sont toujours là. On va s'arrêter là, parce qu'on ne peut pas rentrer en débat. Il faut absolument qu'on s'arrête là si on veut tenir la journée. Je suis vraiment désolée. On reprend, du coup, à 14h avec Albert Piette.